Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour le 24e épisode de Pokémon version émeraude, je mélange dans mes numéros. Et donc la dernière fois, on avait sauvé le monde, hein. On a cherché Papa Rayquaza qui descendait du ciel et foutu branler à Kyogre et à Groudon, quoi. Ils les ont engueulés, ils sont repartis dans leur chambre. Et donc on a sauvé le monde et voilà, tout va bien, tout est calme, voilà, il n'y a plus de vagues et tout, tout est calme. Alors j'ai parlé à Marc et à Pierre et ils me disent qu'il faut que j'affronte le champion d'arène. Ce que évidemment nous allons faire, mais avant on va faire un petit tour dans la ville, maintenant que ça pesait, on va visiter cette ville un petit peu. Donc voilà, on va se promener, on va se balader. Bon, ils sont toujours penauds. Hein. Alors, tiens, voilà au magasin. On va acheter des trucs. Alors, vu qu'on va avoir un bon combat, des hyper potions, allez hop. Parfait, hop. Rappel, ça peut aider, on va en prendre 3. Des hyper balls, on sait jamais ce qu'on peut capturer. Puis, Rayquaza, on peut, je pense, le capturer maintenant. Je crois que c'est Groudon et Kyogre qu'on peut capturer qu'après la ligue. Ah oui, j'ai acheté des max repousses, ça peut servir. Tant que j'ai des thunes. Hein. On en prend un paquet. Voilà, 21. C'est comme ça. Hop. On a claqué toutes nos thunes, mais bon, faut bien qu'elles servent. Hein, et oh. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison, tiens? La grotte qui reliait Atalanopolis au monde extérieur, c'est comme si elle avait été créée pour empêcher quelqu'un de quelque chose de sortir. Mais s'agit-il juste de mon imagination? Un volcan a immergé et entré en éruption et remonté des profondeurs marines. Son cratère a émergé de la mer et s'est rempli d'eau de pluie. C'est ainsi que la ville d'Atalanopolis a été créée. Mais oui, mais bien sûr. Ah là, j'ai vraiment du mal avec le nom de cette ville. Enfin, en général, dans ce Pokémon-là, les villes, elles ont des noms. Mais j'ai du mal. Mais j'ai du mal à les prononcer. J'ai du mal à prononcer plein de choses tout court. Alors, ça, c'est original, les maisons, ici. Alors, tu es dresseur, non? Juan d'Atanalo Nono Balablablablapolis a de nombreux fans. Encore plus que son élève Marc. Et toi, tu en as? Mais oui, j'en ai plein. Oh, quelle puissance tu as. Oui, j'ai tous mes abonnés avec moi. J'ai trop de puissance. On va écraser toute la ligue Pokémon. Grâce à votre puissance, les abonnés. Donnez-moi votre énergie. Les fans des OE viennent même d'Andorre de OM. C'était la folie quand je suis allé au fan club des dresseurs de Nunecric. Des cœurs. Bon, on n'apprend pas de trucs non plus extraordinaires. Il semblerait qu'il existe un rapport entre Atalanopolis et le Mont Memoria. Avec mes amis, on fait des recherches à ce sujet au labo où je travaille. Un grand frère étudie la mer, d'accord. Bon, je sais, moi je crois qu'ils allaient me donner des objets comme, ou des attaques. Donc, depuis que j'ai eu Damoclès pour Galeking, j'ai envie de farfouiller un peu partout là. Bon, et le vieux va pas vouloir nous faire passer, en même temps il y a rien à faire là-bas. Incroyable, le combat entre les deux Pokémon était stoppé par l'arrivée d'un troisième Pokémon. Ouais, bon, de toute façon il n'y a plus rien à faire dans cette. On dirait une serrure, moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. On dirait une petite serrure. Alors. Je suis désolé, je suis tout le temps rhumé pendant mes vidéos, c'est affolant. Chaque fois que je les tourne, c'est le moment où voilà. Monsieur Rhume, quoi, on va m'appeler comme ça. Alors. On va aller de l'autre côté. Schroff. Il n'y a pas tant de choses que ça à voir. Ah si, encore. Ah mais. Peut-être que je me soigne ou que je batte le champion pour mieux explorer la ville. On va voir ça. Oui, soigne mes Pokémon, patati patatou, Pokémon, soigne mes Pokémon. Voilà, hein, infirmière Joël. Toujours des infirmières Joël, c'est assez drôle. Toutes des cheveux roses. C'est ça, pour être infirmière dans Pokémon, faut avoir les cheveux roses. Est-ce que je retire? Oh, j'ai pas besoin de. Je vais peut-être encore avoir besoin d'Azumarill. Parce que je vais peut-être pas retirer. J'hésite à reprendre Camerupt. Non, ça sert à rien pour l'instant. De toute façon, là, c'est une arène de type O, ça va pas trop me servir. Donc on le retirera quand on aura besoin. Hein. Bon, d'accord, on peut pas passer partout. Bah, allons botter le cul à ce champion d'arène. Hein. Que voulez-vous que je vous dise, moi, les amis? Donc, vu que c'est un type des types O. Bah, Absol, oui, avec Tonnerre et Jungo, ça devrait le faire. Donc, c'est parti. Yo, ça mène pour toi, futur maître Vince. Juan, le champion d'Atalanopolis, était le spécialiste des Pokémon de type O. Mais pour le rencontrer, il te faudra réussir à avancer sur un sol gelé. Écoute, je suis désolé, mais c'est tout ce que je peux te dire.
Pour le reste, il va falloir que tu te débrouilles. Ok, alors, il y a un truc là. Ah, d'accord. Oui, on doit tomber, oui. Ah, je me souviens, il y a des trous. Il faut gérer le truc. Hein? Comment ça? D'accord. Tu dois avoir des super techniques que notre champion Juan m'a apprises. Tu vas voir les. D'accord, tu vas voir. Oh, j'ai lu trop. J'étais tellement déstabilisé par le piège. Alors, fais voir ce que t'as. Oh, voilà. Oh, bah, génial, hein. Ah là là, je suis mort de trouille devant ce truc bidule, ce jouet de Kinder Surprise. Non mais franchement, il ressemble à rien ce Pokémon, je suis désolé. Désolé, sœur, s'il y a des fans de ce Pokémon, si ça existe, je suis désolé de vous vexer, mais... Il ressemble à rien. Je suis... Non mais franchement, bon, le pauvre, mais... On dirait vraiment un jeu de Kinder Surprise, quoi. De grâce, pardonnez-moi, Juan. Ok. Regarde ce qui est arrivé si tu casses tous les carreaux du sol. Ah, je suis vraiment un vilain, pas beau. Hein. Bon, bah, je vais te combattre, du coup. Je devrais t'apprendre combien les combats peuvent être rudes. Pom, 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 pom. Poissy, 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 reine. Oh, yeah, poissy, reine. Fais-moi voir ta grosse corne. Oh là, je déconne. Tonnerre pour la paix. Alors, je peux même faire ballon, je suis sûr que ça leur fait autant mal. Il est trop cheaté cet Absol, moi je dis. Constance. Oh, quelle puissance! Je sais. Merci. Je vais te donner un conseil. Si tu veux rejoindre Juan, tu dois fouler chaque carreau une seule fois. D'accord. Ok, bon. Alors, c'est à dire. Je pense qu'il va falloir pas aller tout droit. Ah oui, je me suis dit. On va glisser, d'accord, faut tout compléter. Ah bah d'accord, bah ça va être marrant. Ok, ah bah ça c'est sympa. Alors attendez. Je réfléchis. Et quand Vince attaque réfléchit, il va neiger, les poules vont avoir des dents. Bon, comment je vais faire? Je sens peut-être que comme ça. Bon. Ça va pas être terrible, je vais tomber dans le trou, mais je pourrais peut-être passer comme ça. Voilà, mais je vais tomber par contre. Je dois me payer les combats. Mais c'est pas grave. Normalement, l'escalier est débloqué comme ça. Voir Juan mener un combat. Rien que la beauté du spectacle m'a incité à devenir dresseur. Si tu veux, je peux me battre avec des Pokémon très rares. Eh ben vas-y, à boule. Bon, mais bien que tu m'aboules pas le disque là. Vas-y, j'adore voir des Pokémon rares, moi. Je suis fan. Voilà, non mais... Ah, Barpo, c'est rare. Bon. On va voir compte, c'est pas les deux Pokémon les plus glamour pour un combat duo. Mais... On va faire Balombre, tiens. Pour changer un peu, voilà, quoi. Non. Eh ben, ça fait mal, hein. Alors, Barpo, d'accord. C'est un peu de l'arnaque. Je sais pas, prenez. Putain, c'est une arène de type O, prenez des trucs de ouf, des tortanks, des. Ouais, voilà, des trucs un peu. De ouf, quoi. Je sais pas, moi, des Léviators, des. Des tartares, des. Je sais pas. Hop. Je me rends compte vraiment qu'Absol est vraiment très puissant comme Pokémon quand même. Il fait mal, hein. Après niveau 44 aussi. Là je pense pas que j'aurais besoin de faire d'XP, hein. Franchement, enfin pour l'instant. Mais après vu qu'il nous reste deux villes pour la ligue, avant la ligue, il nous reste plein de choses à faire, plus les routes de victoire. Pff, ça se trouve j'aurais besoin de faire une petite séance qui fera monter de deux niveaux, un truc comme ça, mais. J'aurais pas besoin d'un truc vraiment transcendant, quoi, je pense. Faut pas être trop fort en plus, c'est pas marrant. Et là, mon équipe commence à devenir un peu vrai, devenir un peu trop forte à mon goût. T'as combattu avec plus de brio que je n'ai su le faire. Oh, tu as eu le temps de bien voir mes Pokémon. Oui, bah c'était pas non plus. Je suis venu dans cette arène parce que Juan m'avait fait les louanges de mes Pokémon chéris. Si seulement je l'avais rencontré quand j'étais plus jeune. L'élégance que tu dégages en combat est fabuleuse. Oh, j'ai vraiment la chance. De la chance d'avoir trouvé des Pokémon. Après, on dirait plus une arène de type glace, mais bon, apparemment c'est l'eau. Donc...
Ah, par contre, faut se retaper tout. Ah, faut tous se retaper, d'accord. Donc, j'ai. Putain, comment je vais faire? Ah, c'est galère, hein. Oh là là. Attendez. Ouais, je sens que ça va être bon. Là. Pour réfléchir, des fois, ça fait un peu de mal. Voilà. Bon. Je sais pas, là, je fais vraiment un truc au pif, les gens. Je ne peux pas vous dire ce que je compte faire. Je sais pas. Oh, c'est un moustachu, champion. Alors, je sais pas hein, ce que je fais, franchement. Je tente un truc. Je pense que ça peut pas être mauvais comme idée. Hein. Je sens que ça va être bon. Oh, vous gérez ! Oh, un pouce bleu pour ça, s'il vous plaît. J'ai mon cerveau a dépassé ses capacités, vous vous rendez pas compte? Ah, ça fait plaisir. J'aurais cru galérer. J'ai envie de... Oh, puis non, on le défonce comme ça, parce qu'on est des fichous. Laissez-moi vous demander, saviez-vous que... Ah, je ne devrais point être si timide. Savez-vous que j'ai appris à Marc tout ce qu'il sait sur les Pokémon? J'étais autrefois le champion de cette magnifique arène. Cependant, un concours de circonstances m'a forcé à revenir. Mais assez palabré. Nous devrions commencer notre match, ne pensez-vous pas? Préparez-vous à assister à une véritable démonstration de talent. Une œuvre sur le thème de l'eau, composée par mes Pokémon et moi. Oh, c'est un champion raffiné. Bon, champion du type eau, c'est jamais facile. Comme je le dis toujours, le type eau, c'est le plus fort, c'est le plus polyvalent, c'est tout ce que vous voulez. Hein, moi, c'est un type que je crains. C'est pas forcément mon type préféré. Moi, c'est le type feu. Mais... c'est vraiment puissant les Pokémon. Oh, hein, on peut que l'avouer. Hein. C'est les plus nombreux, les plus forts, tout ce que vous voulez. Oh non, fuck. Tu vas me faire chier avec ça. Non, tu vas pas t'amoureux d'un truc comme ça, Absol. T'as vu la classe que t'as et t'as vu ce machin. Vous allez dire, oui, mais l'amour, il n'y a pas de... Hein, de physique et tout. Oh, mais là, attendez. Comment il va rouler une pelle à ce machin? Allez-moi ça. C'est pas possible. Putain, l'amour qui t'empêche d'attaquer ce truc, Absol. Oh, t'es chromatique en plus, alors fais pas chier. Tu peux pas. Non, bon, je vais devoir changer. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je l'ai trop insulté ce Pokémon et il m'emmerde là. Bon, allez, un changement, hein, n'est-ce pas? Je vais te balancer un lance-soleil dans ta tronche. Ah, ça rend confus cette attaque, j'aime pas trop. Voilà, tiens. Bon, et là il me fait attraction, oui, c'était pas bien stratégiquement. Ça fait quoi doux baiser? Je crois que ça endort plus tard. Ah, ça rend confus, d'accord. Super. Tiens! Et là! Et là! Ah, ça t'a calmé là, hein? Voilà. Je préfère. Merci. Fogler, oh, 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 j'ai envie de faire un Fogler contre Fogler. T'es décidé. On va voir qui est le plus fort. Sur l'honneur de mon Fogler. Oui, il y a que moi pour faire des combats. Oh putain, il a un niveau de plus. C'est du challenge là, ça me plaît. Non, ça se fait pas. M'en fous, moi j'ai des potions. Enfin, lui aussi, mais moi j'en ai plus. M'en fous, ça sera un combat plaquage contre plaquage. C'est pas grave. Bum, ok. Bon, je suis mal parti. Hop, oh, punaise. Mais bon, voilà. Ah, voilà, bien fait. Putain, ils se rendent coup pour coup quand même. Bon, sauf que nous on va soigner parce que on est des fichous. Merde. Et franchement, il va falloir que. Donc. Oh, allez, vas-y, j'en achèterai des guérisons. Fuck, je veux qu'il gagne. Moi, c'est comme ça, j'ai ma petite. C'est comme quand j'avais fait mon combat Dracofeu contre Tortank. Que... C'est comme ça, fallait que c'est ça qui gagne. Là, ce sera mon Fogler qui gagne. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Alors, j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas eu. J'aime bien sa moustache. Ouais, il est marrant, si ce Pokémon. Il a une tête un peu marrante. Enfin, c'est moins marrant que Bali avec le roulé-boulé, mais.
Il est marrant, une petite tête pas méchante, quoi. C'est... Voilà. Non mais, c'est moi qui avais le meilleur Fogler, c'est tout. Barbicha. Ah oui, il est type... Oh, d'accord, Absol. Non, Django, je veux dire. Ouais, parce que lui, il est méchant, hein, ce Pokémon. Il est type haut et sol. Donc contre plante, ça va lui faire très mal, mais... Faut se méfier de son taxisme, donc... Vu que Janko est normalement plus rapide et Lamefeu c'est plus rapide, on va l'avoir. On devrait lui faire un one shot, je pense. Vu à son double type. Mais il faut se méfier de ce Pokémon, il est très dangereux. Pas un Pokémon impressionnant, pas très grand, mais. Très puissant. Hipporoi. Waouh, ça déchire ça. Non, allez, on garde Janko pour la peine. Hipporoi. Waouh. Classe. Très classe. J'aime bien ce Pokémon. Oh non, merde, putain, reflet. Ah, ah. J'aurais pas dû faire comme ça. Il va falloir vite l'attaquer. Ah ouais, mais type dragon, ça va lui faire que dalle. Ah, il va me saouler. J'ai envie de prendre Galiking, lui faire un bon Damoclès. Oh, les lame-feuilles. Oh, punaise. Il est chiant, ce Pokémon. Bah, c'est pas... En même temps, c'est du costaud, là. Hein. C'est... C'est pas n'importe quoi, là. Tom, pom, pom. Bah, c'est chiant. Enfin, avec les échanges, c'est toujours compliqué. Oh, la laser glace. Oh, putain. Putain de punaise. Ouais. J'aimerais, il faudrait, je l'ai jamais, en fait j'ai jamais eu d'hypor, jamais testé Hippotrempe, Hippocéan et Hipporoi. Après c'est vrai qu'avec les échanges, hein, faut toujours trouver. En vidéo, via émulateur, il y a moyen, avec ROM Station il y a moyen. Un pote m'a expliqué. Bon, écoutez, on a pris une super attaque ici, donc on va lui faire très mal, hein, même s'il risque de nous faire très mal aussi. Ah, il va nous faire très mal. On aura même pas le temps de la lancer l'attaque, mon dieu. Ah, c'est bon, c'est bon. Oh non, Galiking, t'es gland. T'es gland. Oh, si on lui fait Damoclès, on lui fait très très mal là. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Espérons qu'il fasse une attaque genre. Je sais pas quoi, repos. Pas vibra quoi. Et merde, il refuse. Ah, Hipporoi, c'est un Pokémon très puissant. Hein. Bon, de toute façon, Galeking va être KO, faut pas chercher à comprendre, mais bon, allez, on tente. C'est pas grave. Bon, de toute façon, quelle idée de mettre un Galeking face à un Hipporoi, hein. Vous allez dire, hein, n'importe quoi. J'aime bien du combat qui dure. Alors, le mode tonnerre, ça le loupe pas comme ça, donc ça devrait marcher, mais mec, reflet. Ah, je déteste cette attaque reflet. Ici, on va essayer pour ainsi cette attaque, la préscience. Je pense que ça peut faire mal, ça, quand ça touche. Non! Pas Absol. On va voir ce que ça fait. Jamais testé. Faut jamais essayer cette attaque, en fait. Donc, je crois que ça frappe bien plus tard et ça fait bien mal. Putain, c'est... Je serais l'impression que c'est le combat d'arène le plus galère, là. Enfin... Cet Hipporoi me laisse. Bon, et eh, oh! Bah, il va me le mettre KO, je sens. Ah oui, mais le type au dragon. Un dragon, ça résiste un peu, donc ça va pas lui faire très mal. Alors? Oh! Mais. Bon, je suis l'ombre. Hein, Ah, le type dragon me fait vraiment chier. Ah, bah, je peux prendre Altaria, je suis con. Oh, mais il a laser glace. Comme le one shot, parce que Altaria il est vol dragon, donc c'est pas terrible, Balombre. Hein. Oh non, mais il est rapide. Oh là là. Bon. Écoutez, on a pris beaucoup d'hyper potions, c'est pas pour rien. J'ai bien fait de prendre des rappels aussi. J'aurais envie de retenter une attaque préscience. Repos, bah très bien, c'est le bon moment.
Parce que je pense que ça peut faire très mal. Bah attends, on va soigner pendant qu'il dort et que ça se met en place l'attaque. Ah, j'adore les combats un peu galères comme ça. Remarquez, quand c'est trop facile, c'est vraiment pas drôle. Mais bon, contre un Pokémon qui a la classe et qui est balèze comme ça, c'est toujours assez intéressant. Ah. Allez, ça devrait faire mal quand même, c'est une bonne attaque. Bon, d'accord. Oh, mais ça échoue tout le temps. On va réessayer. Je t'ai tué, moi. Ah, bien. Ça fait du bien de louper des attaques un peu. Est-ce qu'on va réussir une attaque précédente, ça suspense? Peut-être que c'est à cause de reflet qu'on la loupe, je sais pas. Une morsure, tiens, on va voir ça. Peut-être que des attaques physiques, ça fera plus de dégâts, je sais pas. Mais merde. Allez, tu te la prends enfin. Alors normalement, ça devrait faire mal, je pense. Ouais, bon, bof. Bof, 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 hein, les amis. Bah, tonnerre. Hein. Oh là là, il est chiant, hein. Il est chiant ce Pokémon là. Je sais pas qui il a derrière, ça va être balèze encore. Je pense que son Hyporaz, c'est le plus fort. Enfin en tout cas, il y a intérêt parce que. Allez, on n'a pas fini là. Hein. Faudrait lui mettre un statut. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on pourrait lui faire. Oh là là, cette attaque reflet, je la maudis. Eh ben dis donc. C'est que ça chauffe pour notre petit cucu là, hein, les gens. Bon, écoutez, on va sacrifier Absol, hein, je suis désolé. On va faire un rappel, hein, j'ai pas un rappel max. Ouais. Ah bah là, ça vaut le coup de l'utiliser là. Hein. Sur Junko. Voici une bonne attaque plante, comme ça au pire il nous met KO. C'est de la stratégie, sacrifier un Pokémon pour en mettre un autre au combat. Allez, lame feuille. On va voir ce que ça lui fait. Ah, bah ça lui fait beaucoup plus de dégâts. Bah oui, dragon, ça a pas de résistance spécialement contre les plantes. Donc ouais, c'est pas plus mal. Je rebouge mon micro là, qui se casse, qui se barre en couille. Non mais dis donc, décidément, ce combat est... Bon, par contre, reflet, ça va être bien chiant. Oh là là, il est pénible, hein. Bon, mais pendant qu'il dort, on va préparer un petit lance-soleil. Je propose ça. C'est pas une mauvaise idée. J'ai bien fait de lui apprendre cette attaque. Bon alors, écoute... Oh, putain, c'est vrai que... Bon, j'ai envie de ressusciter... Gally King, j'ai envie de voir si, pendant qu'il dort... Enfin, il va refaire repos de toute façon. De tenter un Damoclès, quoi. Je sens que je peux le faire que comme ça. Confus. Bon, pas qu'il est confus. Pour qu'il soit plus confus. On va mettre Azumarill pour qu'il prenne cher. Bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu combattre Azumarill. Hein. Mais bon. Ouais, bah, les forces. Ah zut. Ouais, enfin, au lieu de lui faire des dégâts, j'aurais mieux fait de soigner Gally King. Même si il va se faire défoncer en un coup, on sait jamais s'il arrive à faire un Damoclès, ça peut faire mal. Donc bon. Paltaria peut-être qu'avec son Draco souffle, je sais pas. C'est le laser glace moi qui me fait chier. Enfin, on va ressusciter Absol tant qu'on y est.
Bah, il a vraiment les attaques qu'il faut, quoi. Repos, laser, glace, vibre à quoi, reflet. C'est pas n'importe quoi, là. Allez, hop, on tente. Oh, mais il fera jamais repos. Putain, j'aurais dû l'envoyer. Ah oui, je vais faire comme ça. Je vais bien, on va le blesser avec Altaria. Et on va faire en sorte qu'il fasse. Dès qu'il fait repos, on échange, on prend Galley King et on. Voilà, mais il fait même. D'accord, il est un peu con. Bah, on va l'endormir, tiens. Ah bah, tu m'étonnes, ça peut pas aller plus haut. D'accord. Bon, bah, nous on va monter les stats. D'attaque en attendant. Attaque d'Altaria augmente. Vitesse d'Altaria augmente, ça c'est pas mal. On refine dans ce Draco, voilà. On peut gérer le coup avec Altaria. D'accord, il se. Oh, mais c'est marrant, face à Altaria, il s'obstine à faire repos. On va peut-être pouvoir essayer de lui faire mal là. Si on arrive à bien augmenter nos stats de vitesse et d'attaque, ça devrait faire mal. Ah, il insiste à faire repos, vous avez vu ça? C'est hallucinant. Parce que je sais que dans Pokémon, l'intelligence artificielle, des fois, ça dépend des types qu'on a en face. C'est peut-être que je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est fou, regardez, depuis que j'ai mis Altaria, il s'obstine à faire. Repos, c'est hallucinant ça. Alors, il a peut-être plus de PP pour laser glace et. Ça doit être ça, ouais. Bah, le combat, ça fait un moment qu'il dure là. Oh, on va essayer de lui faire très mal là. Ah, s'il a plus de PP pour vibre à quoi et laser glace, ça serait pas mal. Ah, il insiste, hein, c'est fou. Ok, on peut plus. D'accord, ok. Bon. Maintenant qu'on est bien badass là. Allez, on va essayer de tenter. Bon, ça va être long, hein, les amis. On a une chance. J'ai pas de la pré. Attendez, attendez. On va essayer de se mettre de la précision en plus. Qu'est-ce que j'ai tellement d'affaires, je sais même plus ce que j'ai honnêtement dans ce sac. C'est son bleu, grande paire, nanana, lava cookie. J'ai pas de la précision plus ou un truc comme ça. Moi je les jette tout le temps, mais là ça ferait peut-être pas de mal. Et non, j'en ai pas. Rappel cœur et nanana. Celle très fond, on s'en fout. Meilleure stars, ok, dans les baies là. Brûlure, histoire 10 PV, PV, d'accord, on s'en fout de planter des flambis, ok. Bon, c'est pas grave. Allez, en plus, c'est type dragon, ça devrait lui faire mal. D'accord. Bon, une attaque vol. Bon, c'est bien qu'il ait pas fait repos, ça me rend emmerdé en fait. Voilà. Altaria. Pouce bleu pour Altaria là les gens. Parce que franchement. Colomar. Ah ouais, oh, ça rigole pas. Bon, Altaria est chaud bouillant là. Je pense qu'on va lui défoncer sa tronche. En plus, il est super rapide. Dans ce Draco, c'est vraiment pas mal. Je vais. Ça a conservé ça. Allez, hop. Un petit Draco souffle pour finir. Ah zut, ah, il fait chier. Bon, bon, c'était bel et bien son Hyporoi, son plus fort Pokémon. Hop. Ton, ton, ton. Ok. Ah, excellent, très bien, la victoire est à vous. Je sens en vous l'existence d'une force qui vous permettra de surmonter les épreuves qui vous attendent. Cependant, si je vous compare à Marc ou bien à moi-même, je peux dire que vous manquez encore d'élégance. Peut-être devrais-je vous prêter mon habit. Oh, il se la pète encore. Ah, je ne fais que me moquer. Plutôt que ma veste, je vous prie d'accepter ce badge de pluie. D'accord. Une sorte de badge de pluie, yeah. Merci. Avec ce badge, vos Pokémon vous obéiront et feront tout ce que vous leur demandez. Ce badge permet aussi d'utiliser la capacité CS Cascade pour passer les chutes d'eau. Et pour que vous n'oubliez jamais notre combat, prenez ceci. C'était 3. Je crois savoir ce que c'est.
Mais c'était que le DNA contient vibre à quoi, évidemment. Avec ces vagues d'ultrasons, elle vous permettra parfois de rendre vos ennemis confus. Ok. Bah, il est un peu kénave, lui, non? Les dresseurs qui ont rassemblé tous les badges OM doivent faire la route vers la destination ultime. La Ligue Pokémon, dirigez-vous vers la zone la plus à l'est de OM, jusqu'à l'île d'Ether Nara. La Ligue Pokémon se trouve là. Ah d'accord, c'est ça à quoi ça sert ce ville. On a une autre ville à voir, on a Pacifiville d'aller voir. On a plein de choses à faire avant la Ligue, hein, les gens. On a plein de choses à faire. Oh, tu as même battu Juan, censé être le meilleur de tout OM. Regarde, oh regarde ta carte de dresseur, c'est tous les badges pour relever le défi de la Ligue Pokémon. Mais c'est génial. Alors, Pokénav. Non. Waouh. Waouh, trop cool. Bon. Je t'ai persuadé que j'allais avoir un coup de fil, mais non. Tu vois, comme Pokénav n'a pas sonné, ça m'a surpris. Ah, c'est bon, ils ont libéré le passage là, c'est cool. Alors. Toum, 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 doudou. Ok. Bon. Non, on finit pas l'épisode là. On va visiter ce qu'on pouvait pas visiter du coup. Un cercle de ciel la nuit entre les bords du cratère d'un volcan. Dans ce cercle, les étoiles scintillent et clignotent comme si elles étaient en vie. C'est mon panorama préféré. C'est vrai qu'elle a l'air sympa cette ville. Alors, qu'est-ce que t'as à dire toi? Quand j'étais jeune, j'étais dresseur de Pokémon et j'ai parcouru le monde. Maintenant, je ne suis qu'un vieillard. Mon seul plaisir est de voir les combats des jeunes dresseurs. Il y a un truc là. Il y a un truc là. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que je sais pas du tout ce que c'est. Je regarderai sur internet, mais là je vois pas du tout. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez, les gens. N'hésitez pas. Ça sera bien utile. Ensuite, plein de maisons. Bonjour, vous êtes la première personne à venir chez nous depuis longtemps. Comme vous illuminez ma journée, je vous offre cette grande poupée où elle meurt. Ok, bon, bah c'est gentil. Merci, madame. J'adore les poupées en peluche. D'accord. Bon, bah c'est cool. Hein. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais c'est cool. Ensuite, plonger dans la mer, toujours monter et descendre les escaliers. Quand tu habites dans cette ville, tu finis par être musclé. C'est ça qui est bon. Tu connais le Pokémon Inupio? On le voit rarement à Athanalopolis. J'adore les grands Inupio. Mon grand-père dit que le grand Inupio est le plus grand. Mais c'est faux, tout le monde sait que le Inupio est le plus grand. Hein? Tu es un Inupio, fais-moi voir s'il te plaît. Non. Il n'y a pas de grand Inupio, c'est dommage. Si tu trouves un grand Inupio, viens me le montrer. Qu'est-ce que c'est cette affaire là? Tu connais le Pokémon Grand Inupio, il se fait rare, d'accord. Oh, mais il y a des trucs à faire ici, dis donc. On va essayer d'en trouver un. Non, j'en ai pas. Eh oh, et calmez-vous, j'en ai pas. C'est qui déjà Grand Inupio? Pokédex. Je vois pas du tout, j'ai un trou là. C'est lui? Pourquoi il en faut plus un grand que... On verra, faudra aussi que je me renseigne. Si vous savez de quoi ils parlent, ce que ça fait si je leur en montre un, dites le moi dans les commentaires. Oui, attends, oui, je t'ai déjà parlé, toi. Une ville pleine de mystères, hein, décidément. Oh, on a du mari. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose d'intéressant. Il paraît qu'il existe pas très loin d'ici une vieille ruine dans la mer. Il y a peut-être là-bas des trésors qui nous demandent qu'à être découverts. Et toujours dans les ruines. D'anciens trésors. Ça serait formidable s'ils existaient vraiment. Mais si ce n'est pas le cas, ce serait merveilleux de faire un tour sous l'eau avec mon Pokémon. Ça veut surtout pas dire vas-y. Je ne suis jamais sorti de la ville. Je me demande à quoi ressemble le monde de l'autre côté de ce ciel rond. Mon mémoria. Au sommet repose deux orbes l'un à côté de l'autre. Tu le savais? Bah oui, oui, je suis au courant. C'est ça, deux orbes côte à côte. Les voir ensemble, c'est apaisant. D'accord. Bon. Mais plein de suspense, plein de choses à faire avant la ligue. Hein. Alors, ce que je vais faire. Bon, là, vous comprenez bien qu'on va s'arrêter là. J'ai envie de retirer Camerut, même si je vais le remettre dans la boîte. Mais bon, c'est pour regarder un peu mon équipe qui sera complète. Ce que je vais faire, vu que j'ai Cascade, je vais enlever Surf à Azumarill. Vu que Fogler l'a déjà, et je lui apprendrai Cascade. Je le ferai par le maître des capacités, hein, bien entendu, on peut pas le faire autrement. Et
Ensuite, il y a énormément de choses à faire, les gens, vous vous rendez pas compte. Voilà, donc. Alors, y aller à Pacifiville, on n'y a pas été. Hein. Alors, donc, on va y aller au prochain épisode. Je pense que si ça dure pas trop longtemps, on ira chercher, je crois que c'est par là, dans les ruines d'un bateau, la cité Laserglass qui m'intéresse. Hein. Donc, ça sera ça au prochain épisode. Ensuite, eh ben, l'autre d'après, je crois qu'on va aller. À Eternara, hein, voir sans doute la route victoire et tout, puis après voilà. Enfin, encore plein de choses à faire, et puis... Ne t'inquiétez pas, après la Ligue, on ira capturer des légendaires. Hein. Tout de même, hein, oh, c'est un peu de la classe. Donc voilà, donc... bon, alors, ça sera ça, l'équipe, mon équipe finale, ça sera ça. Hein. Bon, déjà, j'interchangerai Camerupt et Azumarill pour les CS, hein, évidemment. Mais sinon, il sera dans mon équipe finale, hein, Camerupt. Donc voilà, après, il y a Fogler qui reste à évoluer, tout ça, mais bon. Je suis assez content de cette petite équipe, c'est original, enfin... Original, je ne sais pas, mais bon. Elle est variée, j'aime bien. Je suis... Franchement, je la trouve sympa, donc... moi, ça me va très bien. Donc, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu. Parce que je rappelle bien maintenant, c'est des pouces bleus sur YouTube. Yeah. Et, et voilà. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous tout le monde.